Yo, bande de connards, aujourd'hui on se retrouve sur The Last of Us pour le deuxième épisode du Let's Play, tout simplement. Puis on se retrouve pour le chapitre derrière le mur. Donc, on va continuer l'épisode tranquille. Toi et ta gueule, tu détruis mon intro. Puis oui, elle est là, l'échelle. Super, apporte-la ici. Ouais, ta gueule, je fais ce que je veux. Commence pas à faire chier là. Là, c'est moi qui se fais tape tout le boulot. On va pas venir me saouler. Honneur aux dames. Honneur aux connasses, oui. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Oui, avec une connasse. Tout est relatif. Effectivement, t'es une connasse. Par ici. C'est ce que je dis. Tom padam 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 padadadam tadam tam tam tadam tadam tadam. On peut descendre par là. On peut descendre par là. Mais ta gueule. Je crois que Robert a toujours nos armes. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? On voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends. Des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il n'y avait rien la dernière fois. Elle provient de quelque chose. Ça doit venir de là. Voilà ce qu'on cherchait. Gros dégueulasse. Très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil. De... Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Ah, comment je t'ai coupé. Oh, merde. Ah merde. Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Doucement. Putain. Attention, attention. Aidez-moi. Mon masque a pété. Le masque s'est pas muté. Pitié. En route. Donc c'est par là la suite. Non, non, non. Ferme ta gueule. C'est une blague. Comment ils m'ont vu? Mais c'est dégueulasse. Putain, tu me saoules. Ta gueule. Balle. Comment ils m'ont entendu? J'espère bien. Plus de balle. Allez, je retourne en ville. Putain, tu te schizo. Si tu peux fermer ta gueule. Ah oui, je suis con. Couvre l'entrée. C'est bon.
La planche est tombée. Vas-y, passe-la moi. Ouais, oui, comme tu veux, casse pas les couilles. Tu fais quoi? C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ramène tes fesses, on y va. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Oh, putain. Évidemment, j'ai plus de balles. Putain de jeu de merde. Ferme-la. Non, ferme pas. Comment ça va aujourd'hui? Paris, pas mal de marchandises. Non, 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 c'est bon, j'ai la carte. Non, t'as compris. Ok, je peux le faire. Désolé, mais tous les chiens sont déjà réservés. Je les ai vendus en moins d'une heure. Reviens dans une semaine. Maniez-vous, on crève de faim. On se calme. Pas de carte de rationnement. Pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Ça fait un bail que j'attends ça. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Vas-y, enculé! Ah ouais, démonte-lui sa grosse mère! Zbub! Fils de pute! Oh, oh! 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 Il est KO! Où est-ce que tu crois aller? Tu penses me faire peur? Rassieds-toi. Ton nom de merde! C'est qui? Une vieille prise de tête, cherche pas. Bon, deux secondes. Tract de militaire. Ouais, pourquoi pas. Moi, je suis pas physiquement capable, j'ai perdu ma gamine. Ce type stoppe tout un tas de conneries dans sa vie. Je cherche Robert. L'auriez pas vu. Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Des cartes de rationnement.
Look for the light. Est-ce que ça va te bugger? Faut qu'on passe. Ah oui, c'est bugué. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ah, c'est bugué. C'est bugué. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez ici immédiatement. Planquez-vous. T'es prêt? Je te couvre. Élimine-le. Ouch! J'ai plus de balles, putain! C'est compliqué de se battre quand t'as plus de balles. Hop, 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 hop. Donne-moi ta main. Vas-y, je vais t'épouser. Hop. Vas-y, tire. Tire plus fort. Bonne fille. Bon. Encore des gars de Robert. Comment tu sais qui je vois? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rentre ici. Avec 5 civils, avec des mains. Tu veux, je m'occupe de l'autre. Ouais. Ils les ont alignés contre le mur et bam, bam, bam. Ils les ont tous exécutés. Putain. Bon, bon, bon. Il y en a un autre, là-bas. Oh, Chris. C'est bon. Je te pète le nez. Merci. Allez, on fouille le coin. Moi, ça me va. Hum, 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 hum. De la bonne bouffe. Putain, mais Joël, arrête de coincer dans tout. Truc. D'accord.
de... Chier. On aurait dû emmener d'autres gaz. Il nous aurait ralenti. Ouais, je confirme. Nice. Bien, les quais sont par là. Nice. Oh, on va par où? Bon, au cas où vous l'auriez pas compris, je vais pas faire l'histoire à 100% parce que je m'en fous un peu de la faire à 100%. Et vous m'avez probablement pas compris avec le bouquin que j'aurais le fait. Mais bon. Enfin bref. Oh, beaucoup de gens. Il y a beaucoup de monde. Bon. Je vais buter Joël. Je vais buter Robert. Et ensuite, je vais arrêter la vidéo. Ouais, on a perdu le contact au nord. Même chose au sud. Il faut qu'on réfléchisse. Ils sont C'est dingue, ça serait du suicide d'aller dehors. J'aime bien te regarder travailler. Ouais, mais t'aimes surtout rien foutre en fait, j'ai l'impression. Tout le temps de même les jeux vidéo, putain. Ah, nice, un coup de souris. Un beau temps quelque part. Enfin bref, c'est pas plus grave. Non, on va te buter. Baisse ton arme. Allez vous faire foutre. C'est psychopathe. Robert. Faire foutre. Il s'est réfugié ici. On a failli l'avoir. Sans rancune, pas vrai? Exactement.
Ok. Oh putain! Ça manquait. Oh, ta gueule. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Oui, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ta gueule, puis dis-le. Quand c'est compliqué, c'est en demande de fermer ta gueule, là, mais bon. Stop! 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 Arrête de gigoter. Oui, bon, petite ellipse non préparée, si je dois dire. Enfin bref, on continue. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez. On s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Zbleu, zbleu. Zbom, zbom. Maintenant. On va récupérer notre marchandise. J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. Un plan quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Bon, ok. On suit Marlène, puis après... On doit partir d'ici. J'arrête la vidéo. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Hop, pardon. Hop. Ah ouais, avance. Et boum. Ce sont les Lucioles. Il en reste. Pourquoi tu crois que je demande de l'aide? Par ici. Joël, donne-moi un coup de main. Toujours aller aux hommes de toute façon. Hey. Ça ira. Ah, t'avances.
Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Je prends celui-là. Faites le tour pour l'autre. Bah déjà, pas de bruit, je fais ce que je veux. Okay. Me fais pas chier. Ils sont en force aujourd'hui. Ça marche jamais, moi, quand j'essaie d'être discret. Fils de pute! Ta gueule! Crève! Bon, allez, headshot, il me faut. Call this headshot. J'aime pas de headshot, finalement. Bon, bah, on va y aller à coup de brique. Oh, oh merde. You. Do it. T'as pas trouvé le bon chemin. Joël, elle est devenue fou. Allez, on entre. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Marlène disparaît. On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise? Je vous montrerai. Ah, ben on se dépêche. Je veux te tirer dessus, je suis déçu. Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approche pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Une balle. Elle va mourir. Et ce sera sans moi. 300 balles, je suis pas mort. C'est du fucking. C'est notre seule chance. Et c'est elle qu'on fait sortir. Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes.
Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. Heureux. On recommence. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes. Et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit une bonne idée. Avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Bon, bah écoutez, comme je vous avais dit... J'ai entendu les tirs. Ta gueule et laisse-moi faire ma putain d'autre trop. Bon, comme je vous avais dit, après qu'on ait quitté Marlène, j'allais arrêter la vidéo. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois sur Gaming Clips. Donc, bah, à plus.